Bien quoi le gang, c'est Nation. Ça y est, la première année complète de développement et de mise à jour sur RDO va se terminer. Il nous reste quelques semaines avant 2020, mais la date de la dernière mise à jour sur RDO a été annoncée pour le 13 décembre, et on sait qu'avant 2020, il n'y aura pas d'autres mises à jour. Ça m'étonnerait qu'entre le 13 décembre et le 1er janvier 2020, il y ait une deuxième mise à jour. Donc voilà, ce sera la mise à jour contrebandier avec les distilleries d'alcool, pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Et donc, sur cette vidéo, on va pouvoir faire le comparatif enfin. J'attendais la première année complète pour pouvoir faire cette grosse vidéo. Comparatif GTA versus RDO sur une année complète. Attention, sur la première année, on va comparer. C'est-à-dire l'année 2014 pour GTA versus l'année 2019 pour RDO. On va faire le récapitulatif de toutes les mises à jour pour chacun des jeux, de tout ce qui est sorti, mais il va falloir prendre en compte certaines choses. Déjà à la période, 2014 c'est vieux comparé à 2019, les équipes étaient sûrement pas les mêmes dispatchées sur les différents jeux. Voilà, faudra prendre en compte la période et faudra aussi prendre en compte les mises à jour minimes qui sont insignifiantes, c'est-à-dire que quand il y aura une mise à jour pour un jeu où ce sera que des fringues par exemple, on compte pas. Quand ce sera des bonus, des promos, on compte pas non plus. Ce seront que les mises à jour où il y a eu vraiment du contenu jouable. À partir du moment où il y a une activité, un véhicule, une mission, là on pourra dire que c'est une mise à jour. Ensuite, autre chose à prendre en compte, les sorties PC. On va pas prendre ça comme des mises à jour. On va pas non plus prendre en compte le passage de la old à la next gen de GTA. Ensuite, faudra prendre un autre truc en compte, c'est que à l'époque, en 2014, Rockstar ne sortait pas encore les mises à jour en continu. C'est-à-dire qu'en 2019, là sur RDO, chaque mise à jour, il nous sortait un truc. Et après, tous les mardis, on avait des petites nouveautés qui arrivaient. Alors qu'en 2014, quand il y avait une mise à jour qui sortait, c'était tout le pack d'un seul coup à télécharger. Toutes les nouveautés d'un coup, et après, on n'en avait pas toutes les semaines. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il faut aussi prendre en compte. Parce qu'on aura l'impression que RDO, il y a eu beaucoup, beaucoup de mises à jour. Alors que ce sont juste des ajouts en continu de la mise à jour précédente. Mais bon, ça je le rappellerai tout à la fin. Bon, je pense qu'il est temps de commencer. Et je vous propose de commencer avec GTA. Donc c'est reparti dans l'année 2014, nostalgie. On va commencer avec la toute première mise à jour de GTA qui est sortie en février, le 13 février 2014. Qui est une toute petite mise à jour hein, puisque c'était la mise à jour sur l'événement de la Saint-Valentin. Pour l'occasion, dans cette mise à jour, nous avions eu des nouvelles activités, des affrontements en équipe, des affrontements, des sauts en parachute. Hein. De toute façon, je vais vous mettre à chaque fois quelques screens à l'écran. C'est pas des trucs au hasard, hein. C'est tout pris via Rockstar. C'est que des choses officielles parce que j'ai pas pu tout retenir de tête. Donc voilà, plein d'activités. Donc c'est 10 activités, 10 nouvelles activités, plus des tenues, des masques, en gros des costumes de Saint-Valentin. Et pour l'occasion, ils nous avaient rajouté aussi le véhicule du mode histoire, le Rat Rod Truck, je crois qu'il s'appelle comme ça si je me trompe pas, qu'on n'avait pas dans l'online et ils nous l'ont rajouté gratuitement dans l'online. Voilà, je vous mets la petite image. Alors il y aura peut-être des petits objets, des petits ajouts que j'oublie dans certaines mises à jour parce que il n'y avait pas tout qui était répertorié. Des fois c'était écrit quelques petits cadeaux, quelques petits bonus en plus et du coup je pouvais pas savoir ce que c'était. De toute façon voilà, le plus important c'est de rappeler chaque mise à jour avec les dates précises. Passons à la mise à jour suivante. Donc on arrive au 4 mars 2014, soit le mois suivant. Nous avions une mise à jour sur GTA qui était la mise à jour business. Cette mise à jour était la première grosse mise à jour de l'année parce que c'était les mises à jour qu'on connaissait bien en fait. Qu'aujourd'hui d'ailleurs on connaît toujours, c'est ce qui nous sort encore aujourd'hui. C'est-à-dire un pack complet avec véhicules, tenues, armes, avec des activités en plus et tout ce qu'on connaît d'aujourd'hui. Rappelez-vous, cette mise à jour nous proposait une voiture que, voilà, que moi j'avais achetée, la Turismo R. C'est une voiture qui avait été très appréciée et qui est toujours appréciée. La Jester, l'Alpha, et nous avait rajouté des klaxons, des fumées pour les pneus, un avion. Et deux armes avaient été ajoutées dans cette mise à jour, le pistolet lourd et la carabine spéciale. Et plus, voilà, les tenues, comme j'ai dit, on va pas en parler. Je mentionnerai à chaque fois qu'il y a eu des tenues en plus, mais c'est pas très important. Ça, c'était la première grosse smash de 2014. On passe à la suivante. Et on arrive en avril 2014, le 8 avril 2014, soit le mois d'après encore une fois. Et pour le coup, c'est une petite mise à jour, mais j'ai trouvé qu'il fallait la mentionner en fait, quand même, parce que Rockstar nous ajoutait l'éditeur de capture. Faut savoir qu'il y avait déjà l'éditeur d'activité, mais tout au début de GTA, il n'y avait pas d'éditeur pour faire toutes les activités qu'on voulait en fait. Aujourd'hui, pour les joueurs récents de GTA, c'est un truc normal de pouvoir éditer, de pouvoir créer ses propres activités, mais avant, il n'y avait pas ça, tout au départ. Et à cette date-là, on nous a ajouté l'éditeur de capture. Donc j'ai trouvé qu'il fallait mentionner, voilà, c'était juste ça, pouvoir créer ses propres captures. C'est pas un pack de contenu habituel, mais ça restait quand même pas mal. On passe au 13 mai 2014, le mois d'après encore. Donc là, pour l'instant, c'est tous les mois quasiment. C'était le jour de la sortie de
la mise à jour Vide Rêve. Donc mise à jour Vide Rêve, gros pack de contenu. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que sur GTA, ça charbonnait pas mal au niveau des sorties. Donc dans cette mise à jour Vide Rêve, nous avions des nouveaux véhicules tels que la Massacro, la Z-Torno, voiture mythique de GTA Online. La Trust, c'est la moto, la Huntley S, c'est le SUV. Des nouveaux appartements de luxe et des un peu moins de luxe, mais c'était surtout des apparts de luxe. Une nouvelle arme, le fusil Bullpup, c'est le genre de FAMAS là dans GTA. Et il nous ajoutait en plus de tout ça 12 nouveaux jobs créés par Rockstar, 8 nouvelles missions de contact, plus 4 activités à côté. Il nous avait ajouté aussi quelques petites options dans cette mise à jour. Voilà, je vous montre à l'écran, pouvoir regarder un ami jouer. Des nouvelles animations, dont les animations du corps entier en appuyant deux fois sur les analogues. Des nouveaux vêtements et 10 véhicules supplémentaires aussi, ouais. Donc vraiment, c'était un gros pack, là. Hein. Sorti en peu de mois d'intervalle avec le pack juste avant. Et c'est parti, on va passer à la mise à jour suivante, qui est sortie cette fois-ci le 17 juin 2014. Ça se suit, les mises à jour continuent de se suivre, hein. Ils ont vraiment charbonné sur la première année. Et cette fois-ci, c'était la mise à jour Hipster Toi-même, rappelez-vous. Celle-là m'avait pas mal marqué, avec pas mal de tenues, pas mal de petits accessoires, pas mal de véhicules, dont la Panto qui est bien connue de GTA, et le Dubsta avec ses 6 places, vous savez le gros 4x4 avec ses 6 places là. Bon là je dois parler mandarin hein, pour ceux qui connaissent pas GTA, pour ceux qui me suivent que pour RDO c'est sûr. On avait aussi des nouvelles armes, le pistolet vintage et la dague antique, arme de corps à corps. Voilà, on avait vraiment pas mal de véhicules. Des nouvelles peintures pour les véhicules aussi, des nouveaux détails de customisation pour les véhicules, pareil, OLS Custom, des nouvelles interactions, quelques petites améliorations de gameplay. Voilà, un très très gros DLC, encore une fois. On va passer au suivant. J'espère que vous êtes bien installés, hein. Cette vidéo est grosse là. Là, je le sais, elle va être grosse. Et on passe au 1er juillet 2014. Et le 1er juillet 2014, qu'est-ce que c'est? La mise à jour de l'indépendance sur GTA, et ouais. Donc là, pour tous ceux qui ont joué à GTA, vous savez déjà ce qu'on avait eu dans cette mise à jour. Et c'était pas mal. C'était une petite mise à jour. C'était pas un gros pack. C'était une petite mise à jour. Mais vraiment, c'était pas mal. Parce que ce qui nous a marqué dans cette mise à jour, c'est le Monster Truck. On avait la possibilité d'acheter le premier Monster Truck dans le online. Le Liberator. Le Monster Truck américain. On pouvait acheter une moto et la customiser en américaine aussi. Avec tous le drapeau, les couleurs américaines. On avait débloqué deux armes. Le Mousquet, qui est un fusil à l'ancienne. Au coup par coup, voire plus lent hein, que coup par coup, c'était super lent à recharger, mais il était très puissant et très précis. Et le lanceur pyrotechnique, qui était un lanceur de feu d'artifice en gros, et ça c'était vraiment pas mal à utiliser en période de fête. D'ailleurs, on le retrouvera à la mise à jour de Noël, qui sera la dernière. On avait eu aussi dans cette mise à jour quelques nouvelles propriétés, des petites maisons un peu perdues dans la map, des appartements, un petit peu dans la campagne en fait. C'était pas un truc avec des appartements et des propriétés de luxe, pas comme la mise à jour Vide Rêve. Ok, on va passer à la prochaine, qui est sortie le 19 août 2014, qui est, rappelez-vous, la mise à jour de l'école de pilotage. Et celle-là, j'avais vraiment bien aimé. J'avais eu toutes mes médailles d'or à toutes les épreuves, c'était vraiment un truc que j'avais bien aimé, cette mise à jour. C'était pas un gros pack de contenu, mais l'école de pilotage qui avait été ajoutée, je trouve que c'était vraiment un truc intéressant. Quand on finit ici l'école de pilotage, qu'on avait réussi toutes les épreuves avec une médaille d'or, on pouvait débloquer quelques véhicules comme l'hélicoptère Swift, le Midget Buckingham, qui était un avion 16 places. On débloquait quelques sacs étoiles de parachute, des parachutes de secours. Et on pouvait aussi débloquer la coquette d'Invetero. C'est la version de la coquette en classique, à l'ancienne. Voilà, c'était vraiment une bonne petite mise à jour. On enchaîne, on arrive au 2 octobre 2014, qui nous amène à la mise à jour Extermination, qui était aussi une très grosse mise à jour. Ça nous a amené du matériel de combat, des tenues de combat, des nouvelles exterminations, des activités de combat en fait. Tout était en rapport avec le combat. Avec aussi des nouveaux véhicules d'ailleurs. Donc d'abord on a eu des nouvelles armes comme le fusil à pompe lourd et le fusil à lunettes. Donc après on a eu des nouvelles tenues, des nouveaux masques, etc. Des tenues de combat. Des casques d'ailleurs aussi. Ça c'était le début des tenues de tryharder d'ailleurs, on s'en rappelle. On avait débloqué aussi comme véhicule la Akuchu. Donc ça c'est une moto vraiment incontournable. Une moto incontournable de GTA Online, la Akuchu. Déjà elle était super rapide. Et elle a servi à faire beaucoup de stunts après pour pas mal de youtubeurs. Avec la Bati, bien sûr, il y avait la Bati, mais il y avait aussi la Akuchu. Après, quand elle est sortie, il y a eu beaucoup de stunts avec. On avait eu la Chopper, on avait eu la Furor GT. Donc la Furor GT, c'était une bagnole. Donc je l'ai en tête là, mais elle était pas ouf, donc elle m'avait pas vraiment marqué celle-là. Donc comme j'ai dit, ils nous avaient ajouté 10 nouvelles exterminations. Et dans cette mise à jour, ils nous ont proposé aussi, ils nous ont donné
la possibilité de créer notre propre extermination avec l'éditeur d'extermination. Donc voilà, un nouvel éditeur qui était sorti dans cette mise à jour. Depuis l'éditeur d'extermination, les gars, ça a été un gros tournant de GTA Online, parce que grâce à cet éditeur, on a pu concevoir des activités hyper connues aujourd'hui du monde de YouTube par rapport à GTA. Je vous donne un exemple, T20 vs RPG. Zentorno vs RPG. Tous les trucs comme ça vs, c'était des exterminations créées par des joueurs. Et j'en oublie vraiment plein, mais ça c'était vraiment celle que j'ai le plus joué. Ces exterminations là sont arrivées grâce à cet éditeur, et du coup heureusement qu'ils nous l'ont donné, ce truc là. Voilà, pour cette mise à jour on est bon. On arrive à la fin de l'année, ça va bientôt être terminé, mais on en a déjà eu pas mal. On arrive au 18 décembre 2014, qui est la dernière mise à jour de GTA, et vous savez déjà ce que c'est la période de Noël. C'était la mise à jour surprise festive, et oui, ça, cette mise à jour, on l'avait tous kiffé vraiment. Avec les chutes de neige, les batailles de boules de neige, donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous avaient sorti. Déjà, ils nous avaient sorti deux nouvelles armes, le lance-missile et les mines de proximité. Des tenues de Noël, bien sûr, des pyjamas, des tenues de Père Noël, des écharpes, des chapeaux, des masques, tout ce qui a rapport avec Noël, hein, GTA, vraiment, c'est un délire. Ils nous avaient sorti des nouveaux véhicules. Le Rat Truck de Noël, bah voilà, c'est dans la toute première match de la Saint-Valentin, il y avait le Rat Truck. J'avais dit qu'il s'appelait Rat Road Truck, un truc comme ça. Bah, il s'appelle le Rat Truck. Et à cette mise à jour-là de Noël, ils nous ont sorti le Rat Truck de Noël, le Slam Van, la Flashy Massacro, et la Flashy Jester, avec des nouveaux emblèmes de course. Enfin voilà, des véhicules qu'on connaissait déjà, mais façon Noël quoi. Il y avait aussi des largages de caisses dans la map, et ça franchement c'était un truc que j'avais vraiment surkiffé. C'est que quand on jouait à GTA Online, qu'on se baladait dans la map, et ben en pleine session des fois vous aviez un largage dans la map de cadeaux en fait. Il y avait un largage, il fallait vite aller à l'endroit où c'était largué, et dedans on avait des goodies, des vêtements uniques qu'on n'aurait plus jamais après, plein de petits cadeaux qui étaient largués dans la map, et ça franchement c'était vraiment cool, ça durait jusqu'en début janvier, pendant toute la période de Noël. Donc franchement ouais, l'ambiance sur GTA pendant les périodes de Noël c'est mortel. Et donc aussi le lanceur pyrotechnique était revenu, le lanceur de feu d'artifice, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais vraiment ce qu'on retient, je trouve, ce qu'on retient le plus dedans, c'était les batailles de boules de neige. Quand tu headshotais les gens, ils tombaient par terre. Et ce fut donc la toute dernière mise à jour de l'année 2014, de la première année complète de développement de GTA Online. Parce que la mise à jour suivante arrivait le 10 mars, pas mal de temps après. Et le 10 mars, c'était quoi? C'était la mise à jour des braquages, la grosse mise à jour qu'on attendait tous, qui arrivait donc en 2015. Ça compte pas. Donc on va pas faire le bilan tout de suite, on va passer tout de suite à RDR. Alors vous allez voir que RDR c'est différent, RDO c'est différent, il y en a vraiment beaucoup, mais le problème c'est que ce sont des ajouts en continu, et je suis obligé de les citer en fait, parce que même si on télécharge un pack de contenu à une certaine date, eh bien sortir un truc à chaque mardi les semaines suivantes, c'est quand même une mise à jour, je suis obligé de les compter, mais vous inquiétez pas, ce sera pris en compte pour le bilan de fin. C'est parti pour RDO. RDO, l'année 2019. Et on commence tout de suite avec le 10 janvier 2019. Qu'est-ce qu'on avait eu sur RDO? Alors à cette époque-là, on était encore en bêta. Hein. Déjà, je le rappelle. On avait eu le mode Battle Royale, ruée sur les armes. Donc voilà, au départ, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis au final, je me suis vite lassé. Hein, le mode Battle Royale, voilà. Je pense qu'ils avaient sorti ça parce que tous les jeux sortaient ça en fait, hein, tout simplement pour être dans le courant, mais c'est pas quelque chose qui avait plu à beaucoup de joueurs. Donc voilà, le mode Battle Royale, ruée sur les armes, qui était sorti tout seul. Il y avait juste eu ça à cette date-là, que ça, rien d'autre. C'est parce qu'en fait, ils nous préparaient des vrais DLC, des vrais packs de contenu, et pour faire patienter, nous sortaient des activités en fait, tout bêtement. C'est une activité, c'est une vraie mise à jour, on le prend en compte. Ça va nous amener au 26 février 2019, on a eu une mise à jour, la première vraie mise à jour de la bêta, avec deux vraies nouveautés dedans. Alors tout d'abord, nous avions eu des nouvelles armes. À cette date-là, on avait eu le fusil à double canon rare, qui était tout simplement le fusil à double canon normal, juste avec des motifs, des gravures spéciales. Et le couteau en os, qui était juste un skin de notre couteau normal quoi. On avait eu des fringues et on avait eu des nouvelles interactions. C'est pas terminé, on avait eu des améliorations de gameplay. On avait eu les icônes radar modifiées, c'est-à-dire la distance pour laquelle on était visible des autres joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, les icônes bleues inoffensifs, on les voyait pas du tout. Il fallait se rapprocher pour les voir, il fallait qu'on soit dans la même ville par exemple, sinon ils disparaissaient. Et les icônes rouges, on les voyait d'un peu plus loin. En fait, plus on était rouge, plus on les voyait de loin. Pour être prêt au cas où s'ils viennent nous attaquer. Parce que c'était forcément un joueur agressif s'il était rouge. Bon, après aujourd'hui, hein, on sait très bien qu'on n'est pas forcément agressif quand on est rouge. On peut très bien se faire une bataille de lasso entre potes et on finit tout rouge. Bon, enfin bref, ils avaient amélioré le système de radar. Ils nous avaient ajouté le système de pourparlers
qui fait que si jamais on veut pas se battre avec quelqu'un et qu'il nous tue, on fait pourparler et il ne peut plus nous tuer pendant un certain temps, histoire de nous donner le temps de se barrer, de se barrer loin, de prendre un téléporteur et voilà, qu'il ne nous retrouve plus. On pouvait aussi lancer des conflits simplifiés. Donc avant, il fallait qu'on se batte pendant un moment, vraiment longtemps avec une personne, pour pouvoir lancer un conflit. Alors que là, il suffit qu'un chef de groupe tue un autre chef de groupe et hop, on peut lancer tout de suite le conflit au premier kill. Ils nous ont aussi ajouté le système de primes pour les joueurs hors la loi, en gros. Plus on faisait de meurtres, d'agressions sur des PNJ, la police, sur des joueurs, et plus notre prime augmentait. Et en fait, plus notre prime augmentait, et plus on avait des chances que des chasseurs de primes viennent. Avant ça, on avait une prime, mais les chasseurs de primes ne venaient pas, en fait. C'était qu'on soit à 20$ ou 20 centimes, c'était la même. Il y avait autant de policiers et de chasseurs de primes à notre housse. Alors que depuis cette mise à jour, voilà, il y a beaucoup plus de chasseurs de primes qui vous poursuivent si vous êtes avec une grosse prime sur la tête. Et puis, on avait eu quelques petits cadeaux, quelques petits bonus, des caisses de ravitaillement. Voilà, ça c'était la première grosse match de RDR. On va passer à la date suivante. Et attention, à partir de là, ça va être les mises à jour en continu. C'est-à-dire, ça va être la suite de la mise à jour du pack précédent. Donc on va les prendre en compte, ça va être chaque semaine. Mais on va faire ça rapidement parce que c'est jamais beaucoup d'ajouts. Donc on arrive au 5 mars 2019. À cette date, nous avions une nouvelle activité, un nouvel événement qui s'appelle l'Ordre des Fous, qui a été ajouté au mode exploration. On pouvait être invité à jouer l'activité l'Ordre des Fous. On avait eu aussi une nouvelle arme qui est la carabine Evans. Donc arme aujourd'hui incontournable. Hein. Ils nous disent aussi qu'il y avait des améliorations, des corrections de bugs. Hein, mais ça pareil, on prend pas en compte. Suivant, on arrive au 12 mars 2019, qui nous amène un nouveau mode qui s'appelle Trésor de Guerre. Nouvelle activité donc jouable avec des nouvelles fringues. 19 mars 2019, le nouvel événement en mode exploration, défi de pêche. Nouvelle activité jouable, mais cette fois-ci en événement, c'est-à-dire qu'il fallait attendre qu'on soit invité pour pouvoir la jouer. Et bien sûr, nouvelle fringue. Ça va avec, hein, toujours. 26 mars 2019, nouvelle activité jouable, course de cible, avec bien entendu des nouvelles fringues. 2 avril 2019, nouvelle activité jouable, et que ça saute, avec nouvelles fringues aussi. 9 avril 2019, nouvelle activité jouable, pillage avec nouvelle fringue. Et ce fut la dernière petite mise à jour hebdomadaire du gros pack qu'on avait eu en février. Parce qu'après on atterrit au 14 mai 2019, qui est un gros DLC, un gros pack de vrai contenu. Ce pack sort le 14 mai 2019 et chaque semaine il nous rajoute un petit peu en continu quelques nouveautés qui viennent de ce même pack. Donc à cette date-là, c'était une mise à jour assez importante parce qu'on avait vu l'arrivée de pas mal de choses qu'on attendait depuis un moment. On avait eu des nouvelles missions scénarisées pour le scénario Terre d'Opportunité avec Miss Leclerc et d'autres personnages. On avait eu le poker, grosse nouveauté que tout le monde attendait, le poker dispo sur l'online. On avait de nouveaux ajouts de gameplay, des améliorations. Je vais vous en sortir, on avait par exemple les affrontements en groupe. Donc au sein de notre même groupe, on pouvait se lancer des petits concours, des concours de chasse aux oiseaux, de cueillette, concours du plus gros poisson, des trucs comme ça. On a des nouveaux événements dynamiques qui ont été ajoutés dans cette mise à jour et ça, c'était vraiment un truc que je voulais moi personnellement, c'était très intéressant qu'ils nous sortent ça, c'est-à-dire qu'ils nous transformaient l'online en mode histoire. En gros, dans le mode histoire, quand on se baladait avec Arthur ou John Marston, on avait toujours des gens qui nous interpellaient pour nous demander quelque chose ou nous proposer quelque chose ou même nous raconter une histoire. Hein. Et ben dans le mode online, ils nous ont rajouté une petite partie de ça, c'est-à-dire que en se baladant dans la map, on peut croiser des étrangers qui nous parlent, qui nous proposent quelque chose, qui nous proposent même des chercheurs de trésors que tu peux les tabasser, voler leur carte au trésor ou leur acheter. Tu peux rendre service à quelqu'un, défendre quelqu'un. Enfin voilà, des étrangers qu'on croise et avec qui on peut interagir. Vraiment quelque chose qui m'avait vraiment plu. Et aujourd'hui, ça a été vraiment très très amélioré. Hein. Aujourd'hui, on peut croiser des chiens qui nous emmènent à des trésors. Voilà, plein de choses. De plus, on avait eu des nouvelles missions d'inconnus dans la map, c'est-à-dire qu'ils nous avaient rajouté des personnages du mode histoire en tant qu'inconnus posés dans la map, comme par exemple la ferme porcine avec les deux consanguins là, le couple consanguin qui bouffe des gens, ils nous l'ont rajouté pour des missions dans le mode online, ou encore Thomas le pêcheur. Cette mise à jour nous avait aussi proposé, comme je l'ai dit juste avant, beaucoup d'améliorations et de corrections de gameplay, comme par exemple l'aide au headshot. L'assistance au headshot avait été supprimée à cette mise à jour. Rappelez-vous les combats avant cette mise à jour. Vraiment, les headshots, c'était très facile à mettre. Aujourd'hui, ça reste simple à mettre, mais la difficulté est beaucoup plus élevée que par rapport à avant. Maintenant, on peut manquer des tirs qu'on pensait vraiment mettre dans la tête. Et bien avant ça, on loupait tout simplement aucun tir, hein, vraiment. Ils nous avaient mis aussi le changement d'arme plus rapide, qui faisait moins réaliste, mais du coup qui améliorait le combat. Après, bon, ça restera toujours un débat ouvert. Hein. Le réalisme ou l'arcade,
Personnellement, moi, dans RDR, je préférerais le réalisme que l'arcade. Mais bon, ils nous ont rajouté beaucoup, beaucoup de mises à jour qui penchent plutôt vers l'arcade que le réalisme. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Donc on pouvait changer d'arme beaucoup plus rapidement, ce qui fait qu'en combat, bah, on était plus rapide à pouvoir se défendre ou à pouvoir switcher du fusil à pompe, par exemple, aux longues distances. L'allumage instantané des dynamites ou des cocktails Molotov. Donc avant, on sortait un briquet, une allumette, je sais plus, et on allumait la mèche. Et bien maintenant, quand on sort la dynamite, elle est tout de suite allumée. Beaucoup moins réaliste, encore une fois, mais plus rapide pour le combat. Ils nous avaient ajouté de nouvelles configurations de commandes. Ils nous ont aussi supprimé les défis PVP dans les défis du jour, en fait. Parce que les joueurs se plaignaient de ne pas pouvoir faire les 7 défis du jour à cause des PVP, des défis PVP que tout simplement certains joueurs n'y arrivaient pas, ils aimaient pas le PVP. Donc ils nous ont supprimé ça. Et d'ailleurs, je viens d'y penser que j'ai oublié de vous parler des défis qui ont été ajoutés, en fait. Les défis du jour n'étaient pas dans RDO avant, ils ont été ajoutés dans la première mise à jour qui était en février. Donc juste après la sortie du Battle Royale, dans le premier pack de contenu, la grosse mage de RDO, ils nous avaient ajouté les défis du jour, histoire de gagner un peu d'or chaque jour. J'en avais pas parlé, j'ai oublié, c'était une grosse nouveauté les défis du jour. Eh bien, on revient à cette mise à jour actuelle dans laquelle je suis en train de vous parler. Ces défis-là, il y avait beaucoup de défis PVP, eh bien ils nous l'ont supprimé, histoire de satisfaire les joueurs. On avait quelques autres améliorations, comme par exemple porter plainte contre un joueur quand il vous attaque et que vous souhaitez pas riposter. Si vous portez plainte, ça augmentera radicalement la prime sur sa tête. Quelques petites autres choses que je vais pas parler, c'est pas très important, mais par contre ils avaient augmenté les rémunérations en or. Ils avaient rétabli l'économie, en fait, parce qu'on n'était pas assez payé avant. Donc ça, c'était intéressant. Ensuite, ils nous avaient proposé aussi le style défensif et offensif, grosse nouveauté parce que, bien sûr, tout le monde se plaignait, hein, vraiment quasiment tout le monde se plaignait. Où est le mode passif? On a connu ça dans GTA. Le mode passif, c'est-à-dire le mode où tu es invisible, intouchable par les autres joueurs, où tu peux jouer tranquillement ta vie. Parce que dans un jeu où on n'a pas de session privée, de session amis, de session crew, sachant que GTA avait tout. On avait les sessions privées d'amis, les sessions privées crew, le mode passif. Ce qui fait que vraiment on pouvait jouer tranquillement dans son coin si on n'avait pas envie de se mélanger au monde. Et bien dans RDO ils nous avaient rien donné en ce qui concerne le privé. Pas de session privée ni de mode passif. Donc obligatoirement on était obligé de se frotter aux autres joueurs. On pouvait pas esquiver, c'est-à-dire que si tu voulais pêcher, bah tu pouvais pas. Si quelqu'un venait te faire chier et que tu voulais pêcher, tu pouvais pas. Et bien dans cette mise à jour ils nous avaient ajouté le mode défensif. Le mode défensif c'est on va dire la moitié d'un mode passif, parce que quand on est en défensif, on peut toujours se faire tuer, mais c'est beaucoup plus dur de se faire tuer. Après, pareil, ça reste un débat ouvert parce qu'aujourd'hui, le mode défensif, il est un peu plus efficace. Mais personnellement, je trouve qu'il manque toujours un truc pour pouvoir jouer tranquillement avec une communauté ou avec ses potes. Hein. Si par exemple, on veut créer un mini-jeu, on peut pas parce qu'il y aura toujours un inconnu qui va venir faire chier. Tant qu'ils ne sortiront pas de session privée ou un système qui permette qu'on soit intouchable par d'autres joueurs, eh bien, on pourra pas s'amuser pleinement avec son équipe, avec ses potes. Bref. Cette mise à jour nous ajoutait donc ce style défensif qui nous permettait de ne pas être visé. En gros, on ne pouvait pas nous lock. On pouvait pas, les headshots ne nous tuaient plus en une balle. Et vraiment, pour nous tuer, il fallait nous mettre beaucoup, beaucoup de balles. Après, il suffisait de nous lancer une dynamite et on était mort. Ça, ça bouge pas. Il nous avait aussi donné le système d'hostilité dans cette mise à jour. C'est-à-dire que avant, le radar avait été amélioré pour qu'on puisse voir les joueurs hostiles à longue distance. Alors que dans cette mise à jour, les joueurs complètement en rouge, on les voit n'importe où à travers la map. C'est-à-dire que tu peux être à Hansbourg, tu verras un joueur hostile s'il se trouve à Tumbleweed. Vraiment, à n'importe quel endroit de la map, tu le verras s'il est tout rouge. Voilà pour cette mise à jour, j'ai fait le tour. C'était une très grosse mise à jour. Hein. Et donc, on va passer forcément aux petits ajouts hebdomadaires de cette même mise à jour. On arrive au 21 mai 2019. En cette date, nous avions eu deux nouveaux personnages du mode histoire qui nous proposaient des missions en tant qu'inconnus dans la map. Black Bell et Sadie Adler. Donc au ranch des Adler, vous pouviez retrouver Sadie et son mari Jake qui vous proposaient des missions honnêtes, alors que Black Bell, qui se trouve au sud du manoir des Braithwaite, vous proposait des missions malhonnêtes, de criminels. On nous avait aussi donné une arme, l'ancien Tomahawk, des nouvelles tenues, et voilà. 28 mai 2019, un nouveau mode a été ajouté en cette date, tous aux abris. Activité jouable n'importe quand, ce n'est pas un événement aléatoire du mode exploration. En revanche, nous avions eu aussi un nouvel événement du mode exploration qui s'appelle Défi de chasse aux animaux sauvages. Il fallait attendre d'être invité et on pouvait jouer cette activité où il fallait chasser des animaux et plus on chassait des animaux, plus on gagnait des points. Et bien sûr, des nouvelles fringues. 4 juin 2019. Nouvelle activité jouable, cible à abattre. Une activité que personnellement j'avais beaucoup joué, que j'ai bien apprécié. Et un nouvel événement du mode exploration où il fallait attendre l'invitation, Mania des chemins de fer,
grosse activité PVP qui m'avait fait pas mal rager parce que quand on jouait solo sans groupe c'était vraiment chaud. Mais voilà, c'était une activité intéressante pour ceux qui aiment le PVP. Et bien sûr, nouvelle tenue. 11 juin 2019, nouveau mode, passage en torche, activité jouable et nouvelle tenue. On en a terminé avec les petits ajouts hebdomadaires de cette mise à jour, de ce pack. On passe au pack suivant, la date du 10 septembre 2019, date très importante, la date de la mise à jour RP, la plus grosse mise à jour du jeu actuellement, la plus importante de l'année et de tout RDO. Cette mise à jour que tout le monde attendait, qui au départ était une rumeur qu'on espérait tous, le RP qui est vraiment arrivé au final sur le jeu. Avec 3 carrières, collectionneur, marchand et chasseur de primes. 3 métiers jouables, plus un pass de combat, le pass hors la loi. Ce qui fait vraiment de cette mise à jour la plus mémorable du jeu actuellement. On avait aussi en cadeau un cheval. Donc après, cette mise à jour rassemble vraiment beaucoup de nouveautés. Et c'est assez récent, je pense que j'ai pas besoin d'en reparler. Chaque métier a ses tenues, à ses accessoires, à ses équipements, à ses chevaux, à son gameplay. Dans cette mise à jour, nous avions eu des améliorations de combat, de gameplay en fait, des corrections qui nous ont encore enlevé un peu de réalisme. Encore une fois, personnellement, moi je trouve que c'est dommage, mais ça plaît à ceux qui adorent se battre, vraiment. Ça nous a enlevé du réalisme dans le sens où le combat et la fluidité a été totalement changé, a été augmenté, a été boosté. Votre personnage avant ne se déplaçait pas aussi rapidement. Pour ceux qui n'ont jamais joué à RDO avant cette mise à jour, vous ne verrez jamais la différence. Mais à tous les anciens comme moi, avant le personnage se déplaçait beaucoup plus lentement, ne pouvait pas viser aussi rapidement, ne pouvait pas se déplacer aussi rapidement en visant. Avec cette mise à jour des carrières de l'Ouest, tout a été boosté. Votre personnage est beaucoup moins humanisé. C'est plus un robot qu'autre chose. Pour le combat. Avant c'était plus lourd mais du coup plus réaliste. Donc voilà, les 3 métiers, le pass de combat qui nous permettait de débloquer des choses exclusives sont arrivés en cette date là. On avait eu quelques améliorations autres comme par exemple les indicateurs de dégâts directionnels pour nous permettre de savoir d'où on nous attaque. Gauche, droite, en haut à gauche, en bas à droite. Des emplacements de tenues supplémentaires, la possibilité de nommer nos tenues, des nouvelles activités, des nouveaux événements du mode exploration spécifique à chaque rôle, une augmentation des prix pour améliorer l'économie, par exemple les bijoux qui valent beaucoup plus cher, leur prix a été doublé voire triplé pour certains pour pouvoir se faire plus d'argent, et quelques autres améliorations et équilibrages. Et à partir de cette mise à jour, je vais vous sortir toutes les nouveautés hebdomadaires que ce pack nous propose. C'est quand même quelque chose d'important parce que c'était le début des primes légendaires. Donc c'est parti, 17 septembre 2019, la prime légendaire Barbara Alcazar sort, en plus du nouveau mode de combat de série de fusillade en visée libre. Donc chaque semaine on aura un nouveau style de confrontation en visée libre. C'est pas vraiment une nouveauté parce que ce sont des modes qu'on connaît déjà, c'est juste qu'ils nous l'ont mis en visée libre. Vraiment ce qu'il y aura à noter à chaque fois, ce seront la prime légendaire et les nouvelles fringues, parce qu'ils nous rajoutent toujours bien évidemment des nouvelles tenues avec. 24 septembre 2019, la prime de l'homme loup qui sort, prime qu'on avait vraiment pas mal apprécié, hein, avec des nouvelles fringues et une nouvelle fusillade en visée libre. 1er octobre 2019, la prime légendaire de la famille des Owlout, avec en plus bien sûr des nouvelles fringues et, attention, nouvelle arme, hachette de chasseur. Voilà, petite arme corps à corps. Pas terminé, il nous avait rajouté aussi un nouvel événement du mode exploration qui est l'œuf de Condor. Un événement très apprécié des joueurs parce que ça nous rapporte 1000$ si on trouve l'œuf. Donc voilà, ça c'était quelque chose quand même de très appréciable. 8 octobre 2019, la prime légendaire de Vincenza, le tireur d'élite, sort avec en plus des nouvelles fringues et aussi un masque d'Halloween. Un masque qui suffisait de se connecter à GTA pour pouvoir le débloquer sur RDO. 15 octobre 2019, la prime légendaire Tucker, le pyromane, sort avec en plus des nouvelles fringues. 22 octobre 2019, la prime Philippe Carlier sort, prime très appréciée avec les crocos, plus plein de nouveaux masques d'Halloween qui sortent en même temps. Voilà, ça fait partie des tenues, hein. 29 octobre 2019, la prime légendaire Winfield sort, plus quelque chose qui a été très apprécié, parce que cette prime n'a pas été très appréciée des joueurs, on va pas se mentir, elle était pas ouf à faire. Mais nous avons eu Peur du Noir, Fear of the Dark, qui est sorti, une activité qu'on a vraiment surkiffé à jouer tous ensemble en live, une activité spéciale pour Halloween, avec des démons et tout ça, voilà, vous connaissez. Plus, bien entendu, des nouvelles fringues. 4 novembre 2019, la prime légendaire Etta Doyle sort, en plus de nouvelles fringues, plus de nouvelles interactions. 12 novembre 2019, la prime légendaire Ben Clemson sort, avec de nouvelles tenues.
19 novembre 2019, la prime légendaire Yukon sort le trappeur, le dompteur d'ours, avec deux nouvelles tenues, pareil, qui ne sont parfois pas des nouvelles tenues, hein, des fringues qu'on a déjà, juste des nouveaux coloris disponibles, en fait, tout simplement. 26 novembre 2019, fin du pack de la mise à jour RP, c'est en gros une conclusion de ce pack. Il nous propose de rejouer toutes les primes légendaires au choix, qu'on a jouées depuis le début en 5 étoiles, avec quelques promos, quelques bonus, et pas mal de nouvelles fringues qui reviennent, qui étaient limitées dans le temps, mais qui sont revenues express en cette date-là, pendant une semaine, histoire de, si jamais vous aviez loupé quelque chose, de pouvoir les racheter cette fois-ci. Et on arrive à la date finale, la toute dernière mise à jour de cette année. Donc, c'est un pack, un vrai pack de contenu. C'est la suite de la mise à jour RP qui arrive le 13 décembre. Donc là, normalement, cette vidéo sortira la même semaine que la mise à jour. Donc voilà, le 13 décembre, dernière mise à jour pour RDO, qui est la suite du RP. Ils vont nous rajouter un nouveau rôle qui est contrebandier dans l'alcool. On va pouvoir ouvrir sa distillerie clandestine, son bar clandestin. Et grosse, grosse nouveauté, vraiment, première fois, acheter une propriété, donc avoir sa propre propriété dans la map. Toute première fois qu'on peut. Bien sûr, cette mise à jour n'est pas encore sortie, donc je peux pas vous dire tout ce qu'il y aura. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas d'autres mises à jour cette année. C'est la dernière avant 2020, c'est sûr à 100%. Peut-être à Noël, il y aura un petit truc. Mais ce sera pas, je pense pas que ce sera un gros pack. Ce sera peut-être des petits bonus, des petits trucs voilà, pour le fun. En tout cas, si jamais ils nous sortent un truc important à Noël, eh ben, prenez-le en compte en plus dans cette vidéo, quoi, dans la balance pour RDO. Mais en tout cas, voilà. Le 13 décembre, on aura des nouvelles missions scénarisées, des nouveaux personnages avec qui on pourra interagir, un nouveau métier, un nouveau business, des propriétés, un bar customisable, enfin voilà, plein de nouvelles choses. Cette mise à jour sonne la conclusion de la première année complète pour RDO. Alors, il est temps de passer au bilan. C'est une grosse vidéo, mais comme j'en fais plus trop en ce moment, ça passe, on va dire. Pour une fois, ça me fait plaisir qu'elle soit archi longue. Avant de passer au bilan, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo d'ailleurs? Je ne vous l'ai pas dit en début, hein, mais RDO a beaucoup été critiqué pendant sa première année. Comme quoi, il n'y avait pas assez de nouveautés qui sortaient, pas assez de mises à jour, pas assez de contenu. Et donc, je me suis dit, on va faire une vidéo comparative des deux premières, enfin, de la première année des deux jeux, GTA et RDO, histoire de voir concrètement si RDO est vraiment en dessous de GTA à sa première année ou si ça se voit à peu près. Si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, vous pouvez déjà constater que ça se vaut. Mais je vais vous donner les chiffres. GTA, c'est 9 mises à jour, 9 packs de contenu qui ont été ajoutés pendant sa première année en 2014. Dans une année complète, c'est 9 mises à jour, 9 vraies mises à jour. Attention, je vais devoir faire la même chose pour RDO, donc tout ce qui est hebdomadaire, je pourrais pas le compter. On va tout rassembler. Et pour RDO, c'est 4 packs de vrais contenus téléchargeables, 4 grosses mises à jour qui ont amélioré le jeu. Donc là, on est à 9 vs 4. Bien sûr, à première vue, on se dirait que GTA défonce RDO, mais on va prendre en compte certaines choses maintenant pour ce bilan. Faut savoir que GTA, c'est un jeu, la trame se déroule dans les temps actuels. C'est facile pour Rockstar de sortir des mises à jour où, par exemple, ils nous rajoutent des véhicules et des activités. Des véhicules, il y en a un choix infini, ils peuvent en créer autant qu'ils veulent. Regardez, on est en 2020 quasiment, et ils nous sortent encore des nouveaux véhicules sur GTA. Les véhicules, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut sortir à l'infini. Et en ce qui concerne les activités, GTA, on peut créer n'importe quel type d'activité, on peut vraiment inventer de tout. Parce que GTA s'est passé du côté un petit peu obscur de la force, quoi, si on peut dire. C'est plus un jeu très sérieux. Vous avez vu les activités, hein, c'est plus des activités un peu surréalistes, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, à partir de là, on peut créer toutes sortes d'activités. Donc, les temps modernes face au temps du western de RDO, il y aura forcément beaucoup plus de choses à inventer, à créer pour les temps modernes que pour les temps du western. Au western, on peut pas nous sortir tout ce qu'on veut. Surtout que pour RDO, ils nous ont gardé le côté sérieux quand même. Et ça, je les remercie pour ça. J'espère que ça va durer. Ils nous ont enlevé un peu de réalisme, mais ils nous ont gardé le côté sérieux. C'est-à-dire qu'on voit pas encore de cheval MK2 qui vole, qui lance des missiles. Donc, pour les temps du western, qu'est-ce qu'ils peuvent nous sortir? Ils peuvent pas nous sortir des véhicules, ils peuvent pas nous sortir des activités à créer. Tout de suite, ce serait n'importe quoi. Ils doivent se maintenir dans une certaine ligne de sérieux pour ce jeu. Donc, je trouve que 9 mises à jour dans GTA, face à 4 grosses mises à jour de RDO, je trouve que ça se vaut. Parce que mine de rien, pour RDO, il faut les trouver quand même, ces nouveautés. Il faut les trouver, ces nouveautés qui vont rester dans cette ligne de sérieux, dans cette ligne temporelle qui serait raccord quand même avec le thème et l'époque, en fait. C'est beaucoup plus chaud de sortir des nouveautés sur ce jeu que sur GTA Online. Alors pour le bilan, oui, GTA a eu plus de mages que RDO pendant sa première année, mais il y a eu pas mal de mages assez
insignifiante, c'est-à-dire 2-3 véhicules avec 2-3 tenues par-ci par-là, quelques petites activités avec des véhicules, voilà, c'était toujours des petites mages comme ça. Et GTA, si vraiment on devait garder que les grosses, grosses mages, eh bien, au final, il y en aurait plus beaucoup. Je pense à celle du braquage, je pense à celle qui nous ont ajouté des éditeurs, je pense à celle qui nous a ajouté les premiers business pour avoir ses propres entreprises. Tout ça, ce sont des grosses mages de GTA super importantes. Mais les mages à côté qui nous ont apporté seulement des véhicules, des appartements, des fringues, en vérité, c'est pas ce qui a changé le jeu en soi. En tout cas, GTA continue d'impressionner. Une grosse mise à jour arrive en décembre, c'est-à-dire que Rockstar nous sort une grosse mise à jour sur RDO et sur GTA le même mois. Franchement, ça fait plaisir. Ça va ravir tous les joueurs de Rockstar, que ce soit GTA ou RDO. Le braquage du casino pour GTA et un nouveau métier pour RDO. Pour ma part, on se donne rendez-vous sur RDO. J'espère avoir assemblé à peu près assez d'informations pour faire une vidéo claire, pour faire un petit comparatif comme il se doit des deux jeux sur leur première année de développement. Vous voyez qu'au final, RDO, c'est pas si dégueulasse que ça au niveau du contenu. Malheureusement, on a déjà perdu beaucoup de joueurs et ça, c'est dommage. Déjà perdu beaucoup de joueurs qui ont été impatients et qui sont partis un peu trop tôt, alors que là, le jeu commence vraiment à se développer comme il faut. J'espère qu'on va récupérer ces joueurs-là qui sont partis, qu'on va leur redonner l'envie de jouer et de l'espoir. Hein. Et puis, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver en vidéo sur RDO pour la mise à jour qui arrive bientôt. On a farmé assez de dollars et d'or pour pouvoir se payer toute la mage d'un seul coup, toutes les nouveautés qui arriveront. On va farmer comme il faut, le métier. On va essayer de vraiment tout bien expliquer en vidéo pour ceux qui savent pas trop comment gérer ce nouveau métier. Et puis bah sinon c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo l'équipe. Salut! J'ai la haine, j'vais plomber, j'ai pas de plan B, j'vais pas me planter, j'serai devant chez Watt Ganté. En cas de plainte, j't'envoie des gars de bâtards, j'ai croisé 4 backeux, j'prends la bécane, j'bombarde. J'tire une grosse taf sur le wing, j'compte une grosse liasse dans le bank. Yeah, j'viens du turf comme train, jamais de fausse balle dans le flingue.